J'active Costo, quel pseudo magnifique. Je vais remplir ma gourde et j'arrive, mais bravo pour le pseudo. On en reparle tout à l'heure, à tout de suite. Bravo Jackie, c'est trop classe. Bon, je vais vraiment remplir la gourde, mais on revient. À tout de suite.
Salut les petits amis, bienvenue à la maison. Attendez, je règle ça tout de suite. Ah oh, bah oui, il faut que je coupe le son du retour, sinon ça va être moche. Voilà, c'est beaucoup mieux. Coucou les Jones, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, je suis dans la merde, je suis grave en retard. Donc il va falloir que je travaille beaucoup. Bien reposé, mon Vlacero. Bah, mon Vlacero qui est déjà là, bien sûr. Peut-être le Dynamax dans le coin aussi. On était avec Vlacero. Bioman et Joyce, ma photographe, à Bordeaux Geek Fest ce week-end et c'était super, vraiment, on s'est bien marré. On a eu plein de gens cool. Joyce, j'espère qu'elle a récupéré. En tout cas, elle a retraité les photos sur place pendant entre deux. Elle prenait une photo, ensuite elle allait en retoucher une autre et tout. Résultat, on a eu les photos tout de suite, dès que je suis rentré. Ah, on s'est vu à Conches sur Ouche. C'est pas Conches en Ouche, je croyais. Salut Pikachu. Tout va bien, j'ai gardé un bon souvenir de Conches en Ouche. Moi je dis en Ouche, mais je sais plus. C'était cool. Le week-end d'après, j'étais à Paris Manga. J'ai mis plus de temps pour revenir de Paris Manga chez moi que pour revenir de Conches en Ouche, c'est te dire. La circulation parisienne, c'est magnifique. Et c'est encore pas les Jeux Olympiques, ça promet. Donc voilà, super week-end. Ah, mon dindin qui est là. Et Goldorf aussi. Bah oui, mais tout le monde est là. Moi, Mario. Ah, c'est une ville, tout à fait, moi, Mario. C'est ça. C'était la Pop and Geek, hein, c'est ça. Très bon, très chouette événement. C'était très sympa. C'était dans un gymnase. C'était pas un grand truc, mais du coup, quand c'est comme ça, bah, j'ai plus de temps avec chacun. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a quand même du monde, hein, mais c'était bien. Très, très convivial, très familial. J'avais bien aimé. Encore un pauvre mignon exploité, tout à fait sans taxe. Je les ai nourris. J'aurais fait des promesses que je n'ai pas tenues et j'ai perdu des paris. Mais bon, pas grave. Alors, il faut que je travaille parce que, alors voilà, pourquoi je suis dans la merde. Je suis grave en retard puisque ce week-end, j'ai pas pu travailler. On est parti dès vendredi soir sur Bordeaux. On est rentré dimanche soir. Et lundi, c'était férié. Donc, j'avais mon fiston. Donc, j'ai pas pu travailler du tout. Donc j'ai 4 level 1 à préparer aujourd'hui pour demain. Autant vous dire que c'est chaud patate. Heureusement, Hellblade 2 va bien m'aider puisqu'il vient de sortir il y a 5 minutes. J'avais téléchargé hier soir. Il y a 6 minutes, j'ai lancé et il me dit, ah, c'est encore trop tôt. Et à 10h pile, bam, le jeu était prêt en ligne. Donc on va pouvoir le tester. Il est vraiment tout frais. Alors là, on ne peut pas faire plus frais. Donc on va s'y mettre ensemble. Je le ferai en level 1 et je pense qu'on le fera jeudi soir aussi. Ça a l'air vraiment bien. Donc, ce sera le chez Marcus Live de jeudi soir en stream. Mais déjà, on va prendre un peu d'avance. Et c'est 18+, tout à fait. Donc, ça ne sera diffusé que tard le soir quand les enfants seront couchés sur Game One. J'aurais bien fait en live, évidemment. Voilà. Du coup, en live, je pense que je vais faire Braid qui ressort. Il y a un remaster de Braid qui ressort. Je crois que je me le suis pris sur. Je vérifie. Je me le suis pris sur PS5. Voilà. Ouais. Alors qu'il est gratuit. Si vous avez Netflix, vous pouvez le récupérer. Il est gratos. C'est assez énervant. Ah, vous voyez pas mon écran, mais. Si vous avez Netflix, Braid, et le remaster est gratos. Donc ça, c'est bien. Mais moi, je ne le savais pas. Donc j'ai acheté avec mes sous. 15 balles. Mais bon, j'adore Braid. Donc. Ça vaut le coup. C'est le premier, il n'y en a qu'un de toute façon, mais là ils l'ont remasterisé. Honnêtement, je ne vois pas la différence. Tu peux switcher à tout moment des anciens graphismes au nouveau. Zéro, zéro différence, mais bon. Mais c'est pas grave, c'est le plaisir d'y rejouer. Donc ça sera mon level 1 en live. Avec mon invité, il veut jouer à Perfect Dark sur. Ça me rappelle les bons souvenirs. Perfect Dark qui était sur Nintendo 64 à l'époque. On va retrouver là sur Xbox Series, donc ça c'est super. À deux, ça va être rigolo. Et il me reste à trouver un level 1 à faire avec un chroniqueur. Et j'ai envie de tester ça là. Not a Brain Buster. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est vraiment. Je vous fais voir vite fait, c'est ultra basique. Mais ça peut être drôle à deux, mais en même temps, je pense qu'on va pas pouvoir. Et voilà, et je fais juste pousser vers le haut, vers le bas. Attendez, je vais sortir de là. En attendant que tout le monde arrive. Non, je ne veux pas continuer. Ah, parce que disons que si c'est comme ça dès le début. Parce que là, ça paraît bizarre. Voilà, on va faire des étapes normales. Voilà, j'ai un cube et j'ai juste avec le joystick la possibilité de pousser en haut, en bas, à droite, etc. Donc là, il faut que j'aille pas en haut. Donc par exemple, en bas. Là, il faut que j'aille en haut. Non. Quoi? J'ai pas été assez rapide. Oh, ben voilà. Ah oui, je me suis trompé de joystick. Oh là, qu'est-ce qui se passe?
Alors, voilà, en haut, pas haut, donc par exemple bas, haut, voilà, haut, pas bas, bah haut, gauche, la gauche, ah, j'ai pas réagi à temps, c'était ça pourtant. Allez, c'est reparti, bas, ok, bas, ok, pas bas, bah haut, haut, d'accord, haut, ok, haut, pas gauche, donc droite, ah, j'ai pas eu le temps de réagir. Pas haut, donc bas ou droite, gauche, gauche, droite, droite, haut, haut, gauche, gauche, bas, ok, pour le moment, il va m'avoir un moment, il va m'avoir. Ok, pas droite, bah, mettons gauche, droite, ok, droite, ok, pas gauche. C'est con, c'est con ce jeu. Pas gauche, bas, droite, haut, bas, comme on veut, bas, ok. Bah, ok, pas bas, haut, pas bas, bah, haut, ok, haut, ok, ok, ça y est, ça m'étend en état. Le jeu tout con mais addictif à mort, complètement syntaxe erreur. Alors, je me dis, ça serait rigolo à faire avec un chroniqueur parce qu'il y a des modes plus. Comment? Ben, il y a un mode versus, donc voilà. Et là, on va aller regarder. On va commencer à compliquer. Il y a des couleurs en plus maintenant. Attention, rouge, vert, bleu, ok. Pas bleu, vert. Oh, j'ai pas le temps de réagir. Pas bleu, donc bah, c'est vert en bas, ok. Jaune, ouais. Jaune, pas jaune. Sur le jaune à gauche. Je sais pas que c'est très intéressant. Regardez, vous me dites, est-ce que ça ferait un bon level 1? Pas jaune, donc rouge. Pas droite, donc gauche. Jaune, oui. Jaune. Pas jaune. Bleu. Bas, ok. Bas, ok. Pas bas. Haut. Jaune. Pas jaune. Ah, je vais devenir fou. Droite, ok. Rien. Pas rien. Ah, quelque chose alors. Bas, ok. Rien. Jaune. Encore jaune. Jaune et vert, j'ai un peu de mal. Ils sont un peu de la même couleur, je trouve. Rien. Ok, jaune, partout, c'était facile. Gauche, bas, il n'y a plus qu'un. Pas bas, bah, mettons haut. Et voilà. Voilà, est-ce que 20 minutes de ça? Comment ça, les coulisses de level 1, genre, ils filment en même temps pour Yewan? Ah, alors, très bonne question, Rage on Me, très beau pseudo au passage. Non, non, je t'explique ce que je fais. Sur Twitch, alors attendez, on parlera de ça après, mais. Du coup, je retourne sur Hellblade pour pas que les gens croient que c'est une escroquerie, que j'ai mis Hellblade en bas et que je vais faire autre chose. Ce que je fais moi sur Twitch, c'est que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je stream tous les jeudis soirs. À 21h30, je stream le jeudi soir jusqu'à minuit. J'ai la permission de minuit, je suis comme Cendrillon. Non, après, ma femme m'engueule. Et je teste des jeux récents en général. Ça peut arriver de faire du rétro gaming, mais des jeux récents. Là, typiquement, jeudi soir, on fera Hellblade 2 tous ensemble. Voilà. Et comme c'est pas beaucoup de stream et qu'il y a des gens qui me font la gentillesse de s'abonner et de lâcher des subs, je veux qu'ils en aient pour leur argent, y compris ceux qui payent pas d'ailleurs. Et donc l'idée c'est de streamer plus souvent. Donc l'idée que j'ai eue c'est quand je prépare les level 1, j'en tourne 4 par semaine, ils sont tous tournés le mercredi, 3 le matin que vous ne voyez pas, et un qui est en direct l'après-midi après Team Game One. Donc j'ai la semaine pour préparer 4 level 1. Et donc c'est cette préparation que je vous fais voir. Au lieu de le faire ça bah, tout seul dans mon coin, je me dis allez je branche la webcam et j'y vais. Mais du coup je m'occupe assez peu de vous et du chat. Alors que pour moi c'est ça l'intérêt de Twitch, c'est d'utiliser le chat, de se faire des vannes, de se parler, etc. Et puis tu vas voir qu'on est une bonne petite communauté et que ça rigole bien. Donc le jeudi soir, je suis vraiment avec vous à 100% en train d'essayer le jeu et puis de répondre aux commentaires. Et on rigole bien, c'est une idée de génie, tout à fait limite. Et l'idée, c'est que quand je prépare les level 1, bah, je branche la webcam. Mais là, c'est vraiment à l'arrache. J'ai pas mon setup complet, j'ai pas mis les lumières et tout ça. L'image est pas forcément très belle. Ah oui, le jeudi soir, j'ai fait gagner le meilleur pseudo. Donc, Jacques Yves Cousteau, par exemple, tout à l'heure, devrait tout à fait gagner. Jacques Yves Cousteau qui va être papa. Donc, félicitations, Jacques Yves. C'est trop bien. Tu vois, on se connaît en plus, c'est trop bien. Donc, le jeudi soir, je fais gagner le meilleur pseudo, un petit cadeau, et la meilleure vanne. Un petit cadeau aussi. Voilà, mais ça nécessite une petite infrastructure un peu plus compliquée. Ce qui fait que je ne peux pas faire ça là quand je fais des level 1 à l'arrache.
Là, l'idée, c'est que je travaille. Vous regardez un peu par-dessus mon épaule, mais il y a assez peu d'interaction normalement. Là, ça fait 16 minutes que j'ai lancé le stream. Ça fait 16 minutes que je devrais travailler, tu vois. Et j'ai pas encore commencé vraiment. Donc voilà l'idée. Et c'est cool. C'est comme si vous voyez. Et puis après, bah, vous verrez le résultat. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Parce que quand vous voyez 20 minutes de level 1 sur Game One, et bah, grâce à Twitch, vous savez ce qui s'est passé avant. Pourquoi j'ai choisi tel jeu? Pourquoi j'ai pas choisi tel jeu? Pourquoi je fais tel niveau de tel jeu alors qu'il y a peut-être d'autres niveaux qui étaient moins intéressants? Du coup, vous comprenez mieux pourquoi c'est ce niveau-là et pas un autre. Et là, typiquement, voilà, là je viens de vous faire voir Note. Donc je vais avoir votre avis. Est-ce que ça vaut le coup de faire un level 1 avec un chroniqueur sur Note, le petit jeu avec le cube qu'on vient de voir là, plutôt que, ou est-ce qu'il faut que je trouve autre chose? Voilà. Moi, j'ai peur qu'on puisse pas, et ça nécessite une concentration extrême, on pourra pas se parler pendant les trucs. Alors en même temps, on peut essayer de se perturber, ça peut être drôle. Si je joue avec Genius, je sais que j'ai perdu d'avance. Il a une vivacité d'esprit, mais hallucinante. Donc je pense qu'à ça, il serait imbattable. Après, je ne sais pas quel est le chroniqueur avec qui je serai. Voilà, tout dépend du chroniqueur. Il faut vraiment quelqu'un qui fait vivre le truc. Ils sont tous capables de le faire. Que ce soit Julien, Kayane, Sora, Nutitoff, Genius, Shivana. Tous sont capables de faire un bon level 1 avec moi. C'est des bons partenaires tous. Vraiment, j'ai... Ils sont très doués tous. Simplement, juste Genius, mais il est un surdoué, qu'est-ce que je vous dis, dans tous les jeux. Donc je pense qu'il va me défoncer. Mais ça peut être drôle aussi de voir ça. C'est répétitif sur 20 minutes. Voilà, c'est ça. Ça peut être répétitif. Mais bon, là, je vous ai fait vraiment très très vite. Mais ça commence avec juste haut, bas, droite, gauche. Après, on monte au niveau supérieur qui est pas haut, pas bas, pas droite, pas gauche, ou rien. Après, il y a les couleurs. Après, il y a les couleurs et les directions et les négations. Après, il y a les doubles négations. Genre pas gauche. Donc c'est gauche, en fait. Puisque pas gauche, c'est ce que vous voulez. Mais pas gauche, c'est pas ce que vous voulez, donc c'est gauche. Donc c'est chaud. C'est une vraie torture. Ça s'appelle le Mind Breaker, d'ailleurs, le truc. Donc ça reste répétitif. Voilà. Alors, votons. Qui dit oui pour note, qui dit non. Juste, pas juste ou non. C'est fait pas ci, fais pas ça. Attention au trou de calette. Là, sur mon bidet, tout à fait. Ça dépend du chroniqueur, dit Maman Eglic, et je pense que tu as entièrement raison. Mais je pense que même avec Genius, même s'il est super drôle, ça sera marrant. Même s'il est super drôle, pardon. Même s'il est super rapide et qu'il réussit, ça sera drôle. Ça va être énervant pour moi, mais voilà. Jour, pas jour. pas jour, je ne sais pas. Et je n'ai pas fait top spin, mais pareil, ça nécessite pas mal d'entraînement pour maîtriser. Et Genius est ultra fort, donc si ça tombe sur lui, ça va être chaud. Et en plus, je n'ai pas top spin, j'ai vraiment que la démo de 2 heures. Le jeu s'appelle Note, mon blaster. Voilà, faut faire péter un câble à Julien. Si oui, c'est vrai que ça peut être drôle. Le jeu avec les cubes, tout à fait. Note, a mind breaker, je crois, le nom. Bon, exact, attends. Note, tu peux l'appeler Note. Je crois qu'il a un deuxième nom. A Brain Buster, oui, a Mind Breaker, c'est pas A Brain Buster. Bon, allez, vous êtes là pour voir Hellblade et moi, il faut que je travaille. Et en plus, à 11h30, dans une heure, il faut absolument que je m'en aille. J'ai un petit rendez-vous, donc ça va être chaud. Je vous dis avec Gilbert Montagnier, ça a 60 cents. Et il y a des modes pour les daltoniens, parce qu'il y a des centres. C'est pas mal. Ah, tu fais un petit sondage, mon Blasero. Ok, allez, je lance Hellblade pendant ce temps-là. On va le découvrir ensemble. Vous me direz si le son du jeu est trop fort ou si ça va. Je n'ai rien vu, à part la bande-annonce. Senua. The outcast who became a warrior. Who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul. Has accepted the voices, the furies, as part of herself. J'ai rien réglé, donc il n'y a pas de sous-titres. Ça peut être en français, je ne sais pas. Just like her mother Galena, she was not like other people. Déjà, c'est beau, oui, tout à fait. She saw and heard the world differently. Ça a l'air vraiment, vraiment next-gen. Je sais pas, Regionmi. Her father Zumba told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Donc effectivement, dès que la cinématique tormented sera finie, and afraid, she retreated si from the world. Ou au moins sous-titrée, je pense qu'il y a au moins des sous-titres. Until love broke through
like the rays of a new dawn. In Dillian's acceptance, she could live again. Je me souviens pas du tout du premier Hellblade, j'avais peut-être fait. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillian to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. Salut Denis, well done. Well done. Well done, le... But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. C'est peut-être tout le résumé de Hellblade. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Là, ça, j'ai baissé un peu le son du jeu, c'est mieux. Until Dillian's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. Bon, réveillez-moi quand je pourrai toucher la manette. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind and soul. Un peu comme le texte écrit au début des Star Wars, ça s'arrête au début des premiers drafts de its grasping hands and deafening cries until she found her prize before the guardian of hell's gates. Apparemment elle est habituée à aller en enfer et soudain c'est le drame. Rage, a fury that could not be stopped. Not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made, and burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods. C'est pas... Ah oui, récapitulatif. Regardez, ah bah non, vous voyez pas, mais... Regardez, en bas à droite, il y a écrit « Passer le récapitulatif ». C'est-à-dire, c'est, le résu... c'est tout le résumé de... du premier épisode. C'est sympa d'avoir fait ça. Genre, ils sont conscients que personne n'a joué au premier, quoi. C'est une pub pour des cap... Oui, on dit la forme est... suggestive. Alors, je vais revenir sur cet écran. Il se passe rien. Ah, on avait promis un next-gen, plus de temps de chargement, c'est terminé. Eh ben, on nous avait bien menti. Bon, en plus, on n'a pas écouté, donc on n'a pas vraiment... C'était un peu inutile. C'est pas grave. 67% que oui, notre note ferait un bon level 1, 33%. La majorité est pour. Allez, ça sera ça, parce que j'ai pas beaucoup le temps de choisir un autre jeu. Donc voilà. Ah, la même, mais avec une voix de femme, c'est tout. Will drive her on. She will forge a purpose from his death. Un joueur de didgeridoo.
pourvu qu'il n'y ait pas de punk à chien, pourvu qu'il n'y ait pas de punk à chien, pourvu qu'il n'y ait pas de punk à chien. Il y a un risque, j'ai repéré des avances. Je dis ça parce que vous savez, Horizon Zero Dawn avait pour me plaire, mais le fait que l'héroïne avec ses dreads ait un look de punk à chien et tous les personnages aussi me sortaient complètement du jeu. Et là, l'héroïne, je sais pas si elle a pas des dreads, mais enfin, elle ne fait pas propre. Ah, c'est bon. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Bien, bien modélisé. C'est bon, mais c'est long, dit le furet glacé. Tout à fait. Salut, Basbose. But plans can drift off course. Mais c'est long parce qu'on avait. Parce qu'on a regardé le récapitulatif des trucs précédents. Mais là, regarde, la manette vibre. Je sais pas si vous voyez. Je pense que je vais très vite me retrouver dans le bain. Oh, et je vais pouvoir nager. Non, pas encore. Pas encore. Elle sait pas nager, visiblement. It begins as it ends. Alone. In the dark. C'est vraiment beau, et j'ai envie de dire c'est facile, c'est la cinématique, mais de ce qu'on a vu du gameplay est de la même qualité, donc... Non mais allô quoi. Il y a des voix dans ma tête. J'avais une vanne, mais elle est tombée à l'eau, dites-nous d'un dindin. Ah, belle vibration dans la manette. Là, je suis sous l'eau. Ah, elle arrive à parler sous l'eau, peut-être penser sous l'eau. Merci Jacques Costo pour le prime. Il faut que tu gardes tes sous pour ton futur fiston ou ta future fillette. Oh là là, oh là là. Bon, elle a quoi boulevard, mais c'est moins sympa. Ah là, ça y est. La terre ferme, enfin. Le lore est un peu vague. Ah putain. Alors là, typiquement, si on était jeudi soir, cette vanne serait nominée, bien sûr. Il y en a deux, trois autres que j'aurais dû nominer. Là, j'ai pas le temps, mais... Coucou, Impératrice de la Chouquette. Ce pseudo, non seulement a été nominé, mais a gagné, bien entendu. Nabila ne sait pas nager. Alors, qu'est-ce que c'est que ces voix dans ma tête? Les voix de femmes qui se parlent dans ma tête. Ah. Kratos qui est échoué sur la même plage. C'est beau, c'est sombre, mais c'est beau. Ah, voilà le Xbox Game Studio qu'on attendait. Le truc Next Gen qui va donner envie d'avoir une Xbox série et un Game Pass. Ah vache, ça aura mis 3 ans, 4 ans. Ah, ah, ça y est, j'ai la caméra, j'ai la manette, et c'est moi qui bouge. Allez, écoute, vas-y, tu peux y arriver. Oh, c'est vraiment... Est-ce que c'est aussi beau que prévu? Ben voilà, regarde, je teste en quelle qualité chez moi, je suis sur ma Xbox Series S. Je n'ai touché à aucun réglage, ça explique qu'on est toujours en anglais. Ah. Il y a Dark Vador qui me dit que j'aurais pas dû venir. Alors, allons-y sur les paramètres, puisque j'y ai pas touché depuis le début. Audio. Volume.
J'ai pas le choix de la langue. Mode streamer désactivé. C'est quoi? Si je peux pas monétiser, je m'en fous. Gameplay, graphisme, sous-titres. Sous-titres désactivés. Déjà, on peut les activer. Je sais pas comment. Ah voilà. Activer. Mais est-ce que je peux avoir une autre langue que... Une autre langue que l'anglais. Difficulté dynamique. Allez, on s'arrête pour cette fois. Graphisme. Hein, commande non. Entrée. Entrée. Ok. Interface. Langue. Français. L'interface. Eh oui. Sous-titre. Non. Sous-titre activé. J'ai pas le choix de la langue. Ok, allez, essaye l'elfique ou la langue du Mordor. Et ça a l'air bien mordoré, en effet. Alors là, évidemment, elle est fatiguée, donc elle va pas bien vite. Donc j'ai l'impression d'avoir le contrôle à moitié. C'est un peu comme si elle était bourrée, quoi. Oui. Elle vacille un petit peu, elle va pas forcément là où je lui demande. Donc, on sent pas les contrôles pour le moment, comment dire. Sans pas des contrôles très pas dynamiques, mais c'est juste dû au, à l'état du personnage. Ça fait un peu comme dans Conquer Bad Fur Day sur Nintendo 64, où au début du jeu il est bourré, donc il avance pas très droit. Et tant que vous n'avez pas trouvé de l'aspirine, il veut rien faire. Il veut même pas sauter parce qu'il a peur de vomir. Look, there it is. This is only the beginning. Climb somewhere. To climb again. She will fall if she does. She will die. Climb, Senua. Climb, climb. Allez, allez. So tired. Ça coûte moins cher, certains jeux n'ont pas de fourrage, hélas. Dumbledore. Je voulais dire doublage, peut-être. Mais quoi que ta rentre graphique, t'as trahi. Le rendu de la boue est excellent. Peppa Pig serait ravi. Envie de se rouler dedans. Oh bah arrêtez de m'engueuler, je viens de survivre à un naufrage là. Là on est reparti sur une cinématique, hein. j'ai rien à faire. On avait compris mon Goldorf. Ah ça y est, si c'est moi à nouveau. C'est moi, je bouge la caméra. Ce qui est vachement bien parce que la position est hyper dynamique. C'est-à-dire, je bouge pas, mais elle est vivante quoi. Alors que la plupart des. Dans les jeux vidéo en général, si vous voulez arrêter de bouger, le personnage se fiche quoi. Elle fait toujours quelque chose. Ben, vous êtes à la maison, il pleut, vous n'avez pas trop le moral, ça. C'est pas le jeu qu'il faut faire. C'est tout gris, tout noir, avec des voix dans la tête. C'est pas le jeu qui remonte le moral, je pense. La gadou, ça chante, bravo. Ah, bien fait, oui, Region Me, tout à fait. She carries them with her, always. Allez, cocotte. Donc, vous voyez, typiquement, si je fais un level 1, je vais pas commencer par ça, parce que là, il va rien se passer pendant au moins 5-7 minutes. Je suis déjà à un tiers de mon level 1 et il ne sera pas passé grand-chose. Alors après, puisqu'on est dans les coulisses, je vous raconte ma petite cuisine. J'espère, et je croise les doigts, pour qu'il y ait des sauvegardes quand je veux. Ce qui me permettrait de vous montrer ce que je veux. Maintenant, si comme la plupart des jeux, la sauvegarde s'écrase au fur et à mesure, je suis baisé.
Parce que je peux pas faire un level 1 sur ce que je veux, je suis obligé de faire soit là où j'en suis, soit de reprendre depuis le tout début. Soit ça m'est déjà arrivé de devoir revenir, donc par exemple de passer tout, de reprendre le level 1 à 0, enfin, la partie à 0, et d'avancer jusqu'à par exemple ce moment là, qui sera le début de l'histoire. Peut-être une pastille pour la gorge. Just to die among strangers. You. Why did you come back? Did you think you had left me behind? C'est marrant que ça a donné autant de mal à. I am always here. Ils auraient pu faire un numéro 2 qui dépend pas vraiment du premier. Là, ils ont tenu à ce que le 2 soit la suite directe du premier, donc il y a le résumé du premier, un démarrage assez lent, et du coup des persos, on sait pas trop qui c'est parce qu'on n'a pas écouté. Vache. Vache, c'est beau. Ah ouais, est-ce qu'on peut voir sa tête? Et voilà. Allez, voilà, vraiment, elle est... Voilà, je touche à rien, je tourne juste la caméra. Elle a vraiment le côté humain... des petites animations de rien, quoi. Mais c'est ça qui rend un personnage vivant, au final. Et puis toujours, hein, dans les jeux vidéo, quand vous touchez pas la manette, le perso fait un petit geste. Au bout d'un moment, il commence à faire des gestes, mais... Alors moi, je veux bien, mais je peux aller. Je sais pas comment on court, on va forcément m'a rien dit. C'est sympa la Bretagne. C'est d'accord avec Christopher. Pourquoi où je suis allé en Bretagne, c'est un peu ce climat. Alors, faut que je me démerde pour trouver les touches tout seul. Qui est vachement bien pour l'immersion. Il n'y a pas appuyé sur croix pour courir, machin. Mais par contre, je sais pas sur quoi appuyer et comment faire. Mais... Et là, tu veux pas y aller? Bon, mur invisible par ici. La musique est chouette en plus. Cette petite brume, elle fait vraiment. Elle fait vrai quoi. Sur la gâchette de droite, elle se concentre sur quelque chose. Voilà, et quand j'appuie sur la petite gâchette de gauche, elle court. Ça y est, j'ai trouvé comment courir. La galère pour trouver le Center Park, Mark. C'est très fait, Christopher. Ouais. Il doit y avoir un McDo pas loin. On va le trouver, hein. Après, je trouve que c'est bien, voilà, un jeu qui ne nous prend pas pour des idiots. Genre. Ils savent qu'on a fait 12 000 jeux avant et qu'on va bien trouver comment s'accroupir, comment courir, comment dégainer son arme. Mon chemin là-bas, peut-être pas, non ? Voilà. Là, ça passe, voilà. Je vais vous dire, mon vidéoprojecteur commence vraiment à fatiguer. Je vois mieux sur le retour que sur le grand écran. C'est magnifique, par contre l'océan agité comme ça, les décors, l'histoire interpelle aussi sur la folie. Pour moi, un jeu incroyable. Oh, bah. J'avais fait le premier peut-être, Ilan. Ah, c'est le numéro du loto, le 4. Focus, c'était la gâchette de droite, visiblement. Do not
forget my story, Senua. I am with you still. J'ai une chérie dont j'avais la tête à la main là. And now find yourself in Midgard. Midgard, on dirait plutôt Mordor que Midgard, c'est vrai. C'est le numéro complémentaire. Fatigué par ce long voyage. Ah, c'est vrai que l'eau qui ruisselle, c'est dit crème, mais l'eau qui ruisselle sur le sol, ah, les bourrasques et tout. Les petites, ah, les gouttes de pluie dans les flaques et tout. Je me retrouve à l'époque où je m'extasiais sur les brins d'herbe dans Halo, vous voyez. Ah, bah, enfin, enfin une console Xbox me refait cet effet là. Il était temps, depuis la première Xbox. Oh, c'est pas ça. On est déjà en cage. Là-bas, ça crie. On va bien trouver une arme, parce que je sens que ça commence à... Ça sent le pâté, là. Ouais, c'est beau, c'est vraiment... Ouais, c'est... Oh, ça, c'est beau. Longtemps que j'avais pas dit c'est beau. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Si je me focus, c'est que ça. Why didn't you stop it so soon? Too weak. Let her die. He is right. There were survivors. I need to help the other slaves. You let her die. Est-ce qu'on peut passer sur le côté? Non. C'est un jeu à faire en 2 heures en octobre avec un casque à fond et dans le noir pour profiter de l'ambiance. Tout à fait Golden Lemmy. C'est un truc vraiment à se plomber la journée, quoi. Le dimanche, faut jouer le dimanche. Bon bah y a rien à trouver hein, dans ce village. Ils ont vraiment rien laissé, ok. Allez. Alors je sais même pas, j'ai pas regardé ce que j'avais mis. Est-ce que j'ai mis mode performance, détail? Je sais pas. On fout, là c'est beau comme ça, ça me va. Comme j'ai pas de télé 4K, j'ai mon vieux vidéophone. Je préfère un truc détaillé plutôt qu'un truc fluide. Viens voir à Los Angeles, on passera un Noël en famille, on fera la fête, qu'elle disait. Tout à fait, Christopher. Il cite les classiques, les deux Christophe. Il picaillait, pauvre con. Qu'on me donne un gourdin, je vais m'occuper, les gars. Alors après, c'est peut-être mon dispositif de streaming. J'ai l'impression qu'il y a des petites chutes de framerate. Sans vouloir faire trop le spécialiste, parce que j'y connais rien, mais il y a des moments où j'ai l'impression que ça ramouille un peu, non? C'est moi ou pas? J'entends des cris et j'ai pas forcément envie d'y aller. Un vrai labyrinthe cette histoire, je suis pas sûr de... Can't you hear them, Senua? Can't you hear their screams? I can hear them. Ah, alors soit elle a des pouvoirs de Jedi. Là, il se passe des choses. Ah, vache, c'est beau. On les voit aussi, mais je ne sais pas si ça vient du jeu ou pas. Alors, concentration sur ce truc. Alors, le 4, le 2. Enfin, le 8, je dirais pas le 8.
somewhere. Look for it. Look for the signs. Find the right perspective. You'll sense when you are close. The signs are. Find the right perspective. Do you know where to look? Do you know where Ah, il est là le truc aussi. Elle a parlé de perspective. Donc, il faudrait que j'aligne peut-être ce truc. Ah oui, regardez-moi ça. Qu'est-ce que je fais ? Reconstituer le même symbole que celui qu'il y a là-bas. Est-ce qu'il n'y en avait pas un autre, un troisième ? Est-ce que d'ici, j'arriverai pas à faire ça ? Ah, je suis pas mal là. Yes, you've done it. You completed the symbol. What now? You must go back to the gate. She must go back. Behind the symbol is the source of the darkness. Source of their darkness. You need to understand it. Uncover the darkness, Emma. This. Alors, en plus, je joue au casque et les petites voix m'entourent. Ouais, j'ai l'impression que alors, j'ai un casque pourri, mais quand je vais mettre mon vrai casque, ça va être top. Parce qu'ils expliquent que c'est en 3D surround et déjà rien qu'avec ce petit casque, je sens les voix qui tourbillonnent autour de moi, c'est très bien fait. Un jeu flippant en perspective du syntaxe erreur. Oh là là, le Titanic est là. Morceau de gens là, hein. Je vois les âmes des gens. Je vois des gens qui sont morts, j'ai l'impression. Je les entends, mais c'est leur âme que j'entends, parce que visiblement ils sont morts. Les fantômes des gens qui errent. Genre ils sont morts et ils savent pas trop ce qui leur arrive, ils sont en panique. Parce que moi je gère. Le jeu m'intéressait beaucoup mais pour l'instant j'arrive pas à me mettre dedans, dit Bass Boss. C'est très lent à démarrer. Mais comment dire, ça nous laisse le temps de contempler la beauté des choses. Puis voilà un peu d'action. Ah dis donc, on va se calmer monsieur prof. Ah bah voilà. Voilà, on fait le malin. On agresse les jolies filles sur les plages. Et voilà, j'ai une petite épée. Alors là, j'esquive. Et là, ok. J'ai même pas eu besoin de le verrouiller, ça s'est fait tout seul. C'est assez agréable. Ah bien, le petit, elle reprend son souffle. On tape une dame, Fabien Barthez, dit la pute. Il avait l'air gentil pourtant, Fabien Barthez. Là, voilà, c'est marrant ça. Voilà, ils ont peint une planche en blanc, c'est discret, mais je me doute que je vais pouvoir sauter par-dessus. J'ai fait ça mille fois dans d'autres jeux. Et puis, j'ai pas le tuto pénible qui s'affiche. Ça, c'est vachement bien l'immersion quand même. Hop, là, j'esquive. Je vois comment je vais bloquer ici. Ok, j'ai un petit coup rapide. Et un coup fort. Voilà. J'ai
Et voilà le travail. C'est vraiment la caméra qui tourne quand elle veut, super dynamique, et ah, franchement c'est fort. J'étais en train de me bagarrer, regardez, regardez comme c'est fort. J'étais en train de me bagarrer, j'ai pas eu besoin de verrouiller le mec, ça s'est fait tout seul, donc c'est hyper dynamique. Une fois que c'est terminé, elle est un peu perdue, elle se remet comme ça, et la caméra se replace pour montrer la bonne direction en fait. Parce que franchement, tout se ressemble ici. Oh la vache, la tête. Non, franchement, petit gameplay aux petits oignons, parfaitement détaillé. Salut Damien Duro, du 59. Et non, il n'est pas en français, alors il est sorti il y a 10 minutes. Enfin non, il y a une heure maintenant. Donc peut-être que c'est pas encore implémenté, mais... Est-ce que je peux pas prendre ça? Ça avance aussi tant que je suis. Donc on a juste les sous-titres. Bon, c'est peut-être pas le moment d'aller se baigner. En même temps, je suis couvert de sang. Tu peux me nettoyer un peu le visage. Je serais pas contre. Ils sont pas nés de la dernière pluie, les développeurs. À mon avis, ils sont bretons. Je sais pas si j'ai vu des vagues aussi réalistes avec la mer qui se retire. Franchement, ça, c'est bluffant. L'écume et tout, le mouvement de l'eau est parfait. Là, les vagues, oh la vache, c'est hyper bien étudié. Hyper bien étudié. Donc on se disait c'est lent à démarrer, mais ça nous permet de prendre le temps d'admirer justement tout ça quoi. J'aimerais bien trouver quand même qu'il va y avoir une petite parade. Ah, je crois que j'ai... Ouais, c'est bon, j'ai paré. Gâchette de droite. Hop, là je pars. Oh. Ok, c'est bon, j'ai à peu près tous mes trucs. Salut, ok. Ok. Ok, je ne sais pas comment ça se prononce. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On découvre ensemble Hellblade 2 en vue d'un level 1 que je tournerai demain matin. Demain matin. Et qui sera diffusé dans le courant de la semaine. Voilà. Adoré le faire en direct, mais c'est 18+. Et on comprend bien pourquoi. Donc malheureusement, ça pourra pas être en direct. Ce sera une diffusion dans la semaine. Et donc le principe de ce stream, c'est que je travaille normalement tout seul dans mon coin. Mais ce que je fais depuis quelques temps, c'est que je branche la webcam pour vous... Vous voyez comment ça se passe, la préparation d'un level 1. Donc typiquement, tout ce début est super, mais un peu lent. Alors après, on peut passer 20 minutes à admirer les vagues, mais... Mais voilà, un level 1 dure 20-25 minutes. Donc il faut qu'il se passe des choses intéressantes pendant ces 20-25 minutes. Ouais, ils sont coincés dans... la barcasse. Il y a bien, il y a un écho sur la voix de la fille à l'intérieur. Si je vois un hobbit, un nain et un elfe, je me barre, dit Christophe. Ça, c'est les voix dans ma tête qui se moquent de moi. J'ai hâte de le faire pour ceux qui n'y ont pas joué. Au premier, allez-y les yeux fermés. Et en plus il est sur Game Pass, tout à fait Ilan. C'est vraiment pour moi, je pense que ça va être le jeu qui donne envie d'avoir enfin une Xbox et un Game Pass. J'ai pas acheté de Xbox série avant cette année, enfin j'ai acheté cette année au moment de la sortie de Starfield. Parce que je me dis bon quand même Starfield, même s'il est dispo sur l'ancienne génération de Xbox, il est vraiment tout son potentiel, il faut le faire sur la nouvelle génération. Donc j'ai acheté avec mes petits sous, chez Xbox on n'a pas offert la console,
Je suis allé acheter avec mes petits sous là. La console. Mais si j'en avais pas vraiment eu besoin. Et donc je l'ai acheté pour Starfield. Et j'étais très déçu par Starfield. Du coup, voilà. Là, Hellblade, je pense, ça va motiver plein de gens à franchir le pas et à s'acheter enfin une Xbox. Mais il était temps. C'est possible qu'il tourne mieux sur Series X, peut-être. En tout cas, il y a la pression. Là, je tape tous les boutons que je peux pour me sortir de là. Là, c'est le premier dans l'abonnement PlayStation sans découvrir l'histoire. Il y avait un résumé de l'histoire, Denis, au tout début. Il y avait vraiment un long résumé, beaucoup trop long, du premier épisode. On n'a pas vraiment écouté. C'était en anglais, alors on aurait pu prendre d'oreilles pour traduire, ça c'est pas un problème. Mais comme on part papoter en même temps, j'avoue que j'ai pas tout vu. Les âmes des gens qui sont morts dans cet incident en avion. Oh! Allez, coup spécial. Bah, j'ai pas eu le temps. Allez, c'est marrant, violent, il y a des petits flashs, il y a des dédoublements de l'image, il y a des effets spéciaux un peu. Vraiment dynamique. Ah, les taches de sang sur la caméra. Les essuie-glaces presque. Ah, c'est pas le temps de parer. Voilà. Un coup de pied, je sais pas faire encore ça. Allez, on en profite. C'est une ouverture. On va lui faire une grande ouverture dans le ventre. Ah, ah la chef fatigue en plus. Je commence à voir flou, c'est bon ça. Ouais, j'ai bien paré. J'ai senti qu'il allait. Oh la vache, il est dur lui. J'ai senti qu'il... Oh là 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 là. Okay. On va avant que je la sens fatiguée. Ah voilà. Ah voilà. Et cette façon d'aller me recadrer la caméra dans le bon sens, c'est très malin, très discret. Et hyper pratique. Génial. Ça, bravo, vraiment. Marrant, pourquoi personne n'y allait dans le bon sens avant, je crois pas. Mon joie à Saint-Denis, exactement. Je trépasse si je fais bien. Et on lui pèlera le jonc. Un peu des caca là. Là une marée noire. Alors, j'ai passé le bateau. Tu vais peut-être allonger la plage. Les vagues sont tellement belles. Non, elle n'a pas envie de se baigner, la pauvrette. Voilà, ces petits effets de brume et tout. Bon, je ne sais plus où aller. Jante alliage. Quel pseudo magnifique. Ah là 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 là. Mais oui, mais on s'est vu ce week-end en plus. Tu vas travailler. Bon, bah, merci de passer. C'est bien toi, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce qu'il faut que je retourne vers le bateau? Parce qu'apparemment, tout le reste a l'air
Là, j'entends qu'on gémit. Non. Je n'ai pas trouvé quand même accroupir. Même mon ombre dans les vagues, dans le reflet des vagues. Là, on entend que quelqu'un va pas bien. Une douche, mon royaume pour une douche. C'est vrai que ça serait, enfin, ça serait pas du luxe. Alors là-bas, je peux pas y aller. Rocher, comment ça se fait que j'ai raté là? Alors sur le vidéo proche, je vois vraiment plus rien. Vraiment que j'en change. Salut Anakin Darky. Ah, salut. Choisis le côté obscur. Suis la lumière, Marcus. Bah, je suis d'accord, mais sauf que. Il n'y a pas trop. Ah bah, bruit de feu en loup. Ah mince, vu que c'est des crabes. Il est motivé, Yann Barthès, depuis tout à l'heure. Il me lâche pas la grappe. Pas Yann Barthès, Fabien Barthès, pardon. C'est tellement nul au foot. You, slave. What are you going to do with that sword, God? He looks ready for you. He is ready to fight. You're ready. We will end this. You're fucking dead. I'm enjoying it. Ah, je voulais esquiver, j'ai pas le temps. Ah, voilà. Ah, je tiens un peu. J'esquive une fois, j'esquive deux fois, et je contre-attaque, sauf qu'elle est fatiguée. Elle a du mal à encaisser ses... Peut-être que... Ah. Ou peut-être que j'esquive mieux cette fois-ci au dernier moment. Au lieu de juste encaisser le coup. Voilà, par exemple là. Merci, ma petite voix. C'est vraiment très dynamique. C'est pas du quick time event non plus. Ouais, exactement. Dorgnole. Ah, j'ai l'impression de les sentir quoi. On sent qu'elle souffre, on sent qu'elle est fatiguée et tout, c'est vachement bien fait. Bien. Et puis des tremblements, la caméra, le flou, on a vraiment la sensation. Et fatigue quoi. On a vu des combats aussi physiques. Ah,
Ah, j'ai... J'essaie d'esquiver. Oh. Pareil au bon moment parce que là... Ok, c'est la fin pour elle. Allez. Je devine ce que je vais faire, moi. No one matched. Thinking and feel it. Mine de rien, les petits conseils des voix sont vachement bien aussi. Quand je fais un truc bien, elle me le dit. Quand je fais la merde, elle me le dit aussi. Oh vache. Oh vache. La manière dont son corps réagit à l'effort et la fatigue est vraiment réaliste. Tout à fait. La motion capture est vraiment excellente. Oh là là, là là, elle est au bout du rouleau là! Je sais pas si elle va se relever. Elle dit you have to move quick, donc ça veut dire plutôt de l'esquive que du blocage. Oh! On y va au caillou. Ah, j'ai pas le droit de le tuer. Dommage. La suite, la semaine prochaine, du coup. Bah, non, pas. Je vais partir dans pas longtemps, malheureusement. Donc, vraiment qu'à 11h30 au plus tard, je sois parti. Donc, on va s'arrêter là dans pas longtemps. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout de cette petite séquence. On prendra cet après-midi, je pense. Et jeudi soir, on fait ça pendant 3 heures. Donc, je vais découvrir des choses intéressantes. C'est vraiment pas banal. Comment dire? Tout est un cran dessus de ce qui s'est fait jusqu'ici. Vachement bien. Visuellement, dans les combats, la mise en scène, les mouvements de caméra, les petits effets spéciaux, les détails, tout, 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 tout. Les vagues. Une meuf qui s'est trimballée avec la tête de son chéri dans un sac. Salut Dejin, 14, bienvenue. On découvre ensemble les premières minutes de Hellblade 2 en vue d'un level 1 qui sera tourné demain matin et diffusé dans la fin de la semaine. A blood-carved stave, a soul sea falling, a too familiar darkness. Alors si je montre autre chose que cette première séquence dans level 1, on verra peut-être pas de vague, ce qui est dommage. Ça vient de sortir au Round Max ce matin à 10h13 exactement. Je l'avais pré-téléchargé. Je l'ai lancé à 9h59. Il m'a affiché le message c'est trop tôt. Qu'il affichait jusqu'ici quand tu voulais lancer le jeu. Et vraiment à 10h pile, ça s'est lancé. J'avais préparé mon petit bandeau, j'ai mis le nom du jeu, etc. Et puis je lance et je vois que ça part pas. Je me dis ah merde, je vais devoir faire autre chose en attendant. Et finalement. Finalement, sauver in extremis. Du coup, j'en oublie de boire. Faut quand même que le jeu soit génial pour que j'oublie de boire. Oh là, les yeux, c'est incroyable. Ah, mais tu peux voir. Mon père est ici. Ton père. Le Golthi. Monster. Il est ici. Sur la page ensanglantée, le coquillage et le boulet. C'est bien qu'on vous chantait.
Salut Terama. Oui, oui, c'est... alors ça va s'arrêter dans pas longtemps, malheureusement. Mais... j'ai un rendez-vous ce midi, mais... voilà, je prépare les level 1 que je vais tourner demain. Et du coup, je fais ça. Au lieu de faire ça tout seul dans mon coin, je branche la webcam et je le fais avec vous. Honnêtement, je m'occupe assez peu de vous et des commentaires dans ces moments-là, parce qu'il faut vraiment que je travaille. En revanche, le jeudi soir, quand c'est mon stream habituel, là, là, je m'occupe plus de vous. Voilà. Donc ouais, on peut pas faire plus frais. Le jeu a été mis en ligne à 10h. Ça fait 1h15 qu'il est en ligne. Après, il y a des gens qui avaient droit à une petite avant-première, mais pas moi. Donc moi, je découvre vraiment avec vous. Elle est mignonne, elle fait pas trop punk à chien, mais pas trop mignonne non plus, elle fait pas genre la meuf de Stellar Blade, improbable. Elle fait vrai, elle fait un peu girl next door dans le visage. C'est vrai, rien de... elle est ni jolie ni moche, elle est, voilà, normal. Elle a un peu des dreads, bon, mais je veux bien le tolérer. Elle est couverte debout, mais vu son passif... c'est normal. Oh là là, ils sont doués pour les petites plumerolles dans ce jeu. So quiet. No further. Something's wrong. What happened to him? It smells of death. He doesn't want to. The settlement has fallen to the Draugr. Draugr. There is nothing but death beyond those gates. I don't want to see what's in there. Did you? Elle a des voix qui parlent dans sa tête. Don't listen. C'est vrai que la vue de trois quarts et dans les combats, c'était vraiment bluffant. C'est concentré sur l'adversaire, pas en train de ferrailler n'importe où. Il verrouille lui-même l'adversaire. Ah non, mais visage. Il manque un millimètre, mais vraiment, on est à deux doigts de penser que c'est des vrais acteurs et pas des personnages de jeux vidéo. Il y a encore un tout petit peu de... un tout petit truc qui indique que c'est du jeu vidéo, mais alors vraiment pas grand chose, quoi. Et puis les, voilà, les attitudes. Quand je fais rien, elle respire. Elle cligne des yeux. Elle a... vraiment, il y a quelque chose, quoi. Alors lui, il va pas pouvoir y aller, mais on va traverser là un peu. Il y a les pieds, c'est pas bien grave. Merci Gargonite. Alors, c'est peut-être lever de soleil ou coucher, je sais pas. C'est très chouette. Not into this settlement. You have no idea what you're walking into. He wants you to die. Just turn around. Il y a un petit côté Smeagol et Gollum hein, qui se parlent. Il y a des voix qui lui parlent dans sa tête. I can't. Damn you. Why won't you listen to reason? Ah, c'est vraiment beau. Les amis, je vais devoir m'arrêter là, malheureusement. On va s'arrêter à ce point. Et on va juste regarder, justement, est-ce qu'il y a des sauvegardes? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Reprendre mode photo, paramètres. Revenir au menu principal, pas trop le choix. Voilà. Ah, chapitre, ça c'est bon pour moi. Oui, ah, merci. Merci. Je pourrais choisir, une fois que j'ai fini un chapitre, je peux choisir d'y revenir. Ah, super! Ouh, par contre, je m'aperçois que je suis connecté avec le... avec la... comment dire... avec le profil de Julien. Ouh, c'est pas bon pour moi, ça. Goldé, la section de chapitre. Merci, Golden Lumi, tout à fait. Alors, ça m'arrange pas, parce que... obligé de tout refaire, c'est pas bien grave, mais obligé de tout refaire pour revenir jusque là. Ok,
Bon, je vais régler ça. En tout cas, merci les amis d'avoir suivi ce petit stream, de m'avoir accompagné pendant que je préparais les level 1. C'est très gentil à vous. Demain, on visite le Mont-Saint-Michel. Cet après-midi, je pense que je vais reprendre un peu cet après-midi. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, et mon rendez-vous me plante un peu. Je n'ai que aujourd'hui pour préparer 4 level 1. Alors, le petit jeu là que vous avez vu tout à l'heure avec le dé, c'est pas compliqué. Perfect Dark, ça va. Mais ça date de la Nintendo 64, faut que je m'y remette. Et Bread, c'est compliqué pour mon petit cerveau. On fera peut-être un peu de Bread cet après-midi, je ne sais pas. Tiens, je suis flou. Au moment de partir, je me rends compte que j'étais flou depuis le début. Quand c'est comme ça, une seule solution, désactiver la caméra et la réactiver aussitôt pour arrêter d'être flou. Oh là là, la technologie, c'est incroyable. Et bah bon appétit les amis si vous êtes à table ou si vous allez y aller. On se retrouve sans doute cet après-midi. Et voilà, je suis bien sur mon compte, tu dis Vlacero. Ok. Bon, je vais régler ça. Je vous laisse les amis, je vous fais des gros bisous. Et à cet après-midi pour la suite, sinon demain, dans Team Game One bien sûr. Et ce week-end, si jamais vous êtes sur Paris, venez me voir à Hauts-de-Seine Digital Game. C'est Porte de Versailles, l'entrée est gratuite. Salon de gaming et aussi un peu pro si vous voulez travailler dans les métiers du jeu vidéo. Il y a des trucs vraiment très intéressants. Donc n'hésitez pas à passer me voir. J'y suis vendredi, mais c'est vendredi, samedi, dimanche. Et samedi, je suis à Issou pour la convention Pixel. Et non pas à Picsou pour la convention XL. C'est très bizarre. ce ne serait pas le même genre de convention. XXL. Voilà. Bon, bah, en tout cas, on se voit. Soit tout à l'heure, soit demain, soit ce week-end. Donc, on se voit. Donc, à très vite. Bisous, les amis. À tout à l'heure. Ciao.